Nous avons remarqué que notre ligue ne marche pas. Depuis que on a été nommé, la ligue n'a même pas de siège ni de bureau. Tout ça à cause du président qui n'a fait aucun effort. Depuis qu'on a été nommé, il passe tout son temps à Dakar. On ne le voit pas, il ne respecte personne, aucun membre de bureau. Et il fait la chose à sa tête. Il n'a fait aucune action, sauf il avait organisé un tournoi. Qu'elle a appelé tournoi de la Ligue, qui à la fin les gens ont joué une finale et que le parrain a donné des récompenses et autres. Jusqu'à présent, aucun club n'a vu ces récompenses. Le parrain, il dit que c'est lui, lui, il dit que c'est le parrain, on ne sait pas c'est qui. Mais d'après le parrain, il nous a dit clairement qu'il il a tout remis au président et jusqu'à présent, aucun club n'a vu sa récompense. Il peut tourner autour de 1 million et quelques. 1 million et quelques donc qui ont disparu. Qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Les clubs le réclament jusqu'à aujourd'hui. Bon, les gens lui ont demandé, il dit que c'est le parrain. Alors que le parrain nous a dit en bonne et due forme et clairement que ce n'est pas lui, c'est le président. Pas du tout. Sauf s'il y a quelques événements ou bien il y a une fête, il vient, il est passé à Ziguinchor, il appelle les gens, on se réunit dans la cour du stade Aline Soutoué et après il rentre. Tout ce qu'on lui donne pour le basket, on ne le voit pas. La dernière fois, le président de la fédération était là, il a donné à chaque club 50 000 francs, des cartes de crédit, un téléphone qu'on n'a pas vu. Il est parti avec tout à Dakar. On ne fonctionne pas. C'est pour cela que nous faisons ça. Nous ne fonctionnons pas du tout. Pour te dire qu'en réunion, on convoque une réunion, les membres du bureau, il y en a que trois. À part les membres de bureau, les autres, c'est des amateurs, c'est des basketteurs. C'est des pratiquants ou bien des entraîneurs qui viennent s'adjoindre à nous pour pouvoir se réunir. C'est comme ça que nous nous réunissons. Nous avons interrogé, nous avons interpellé la fédération qui nous a dit que c'est une question interne que nous devons régler à Ziguinchor. Pour vous dire, même l'inspecteur des sports ne connaît pas la ligue de Ziguinchor. L'inspecteur des sports, il ne connaît pas la ligue de Ziguinchor. Il connaît toutes les ligues de Ziguinchor, sauf la ligue de Ziguinchor. Et sa ligue de basket de Ziguinchor. Et ça pose problème. Et tout ça, c'était des démarches qu'il devait faire.